Good morning, allez, Idan, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat, Rabba Mondechai, Ben Yisrael, Gvefenit, Vora Batester, Maurice, Moshe, Ben Sultana, et Moshe Michal, Ben Machla, Rachel. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude, Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sérati Vamot, Perektet Zain, Mishna Dalet, Nafal Alamaim, Ben She Yesh Lem Sof, Ben She En Lem Sof, Ishto Asura. Amar Rabbi Meir, Maase Be'echad, She Nafal Labor Agadol, Ve'ala Le'achar Shlosha Yamim. Amar Rabbi Yossi, Maase Be'suma, She Arlit, Volba Me'ara, Ve'erad Moshro Acharav, On continue à traiter des halakhot de à partir de quand peut-on témoigner qu'une personne est morte. À présent, on a vu dans la méchante précédente à partir de quand on déclare qu'il est mort. Si toutefois on a vu qu'il a reçu un très mauvais coup, mais qu'il est en train de mourir, est-ce que ça suffit ou ça suffit pas là? Ah bon, on va s'intéresser dans le machin maintenant, savoir si il s'est perdu dans l'eau. Il est tombé dans l'eau. Et on l'a pas vu remonter, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut dire, écoute, ça fait 3 heures qu'on le cherche, on l'a pas retrouvé, c'est qu'il est mort, c'est qu'il a coulé. Ou peut-être que non. Mais je vais voir, on a cherché partout. C'est la problématique, d'accord? Alors, la Mishnah commence à me raconter. Nafal Lamaim, il est tombé dans l'eau. Ben Sheish Lemsof. Qu'il s'agit d'une eau qui est, comment on va dire, qui ont une fin, c'est-à-dire qui sont délimitées. Ben Sheen Lemsof ou bien de l'eau qui n'est pas délimitée. On comprend pas tellement ce que ça veut dire, mais on va expliquer tout de suite. Ishto Asura, dans toutes ces cas de figure, de toute façon, sa femme sera interdite. En réalité, il y a deux situations. Il y a une situation où il y a deux sortes d'étangs d'eau. Un étang d'eau. Il y a des étangs où tu te mets d'un côté, tu vois l'autre. Je ne sais pas comment considérer le lac de Tveria, mais je sais qu'à Tveria, en tout cas, quand on est d'un côté du lac, on voit l'autre côté. Peut-être que ça implique pas, je ne sais pas exactement ce que, quelle est la limite exacte, d'accord? J'ai pris un exemple un peu trop violent. En tout cas, imaginez un gros étang où on se met d'un côté, on voit ce qui se passe de l'autre côté. Où il y a des fois où on est en haute mer, où on rentre d'un côté, mais on ne sait pas ce qui se passe de l'autre. D'accord? Tu te mets d'un côté, tu ne réussis pas à voir l'autre bout. Donc, la différence entre, concrète entre les deux, c'est que, imagine, quelqu'un tombe à l'eau et il disparaît. On le cherche de partout, on ne le retrouve plus. Maintenant, s'il s'agit d'un endroit qui est fermé, qui est délimité, même, imaginez, je ne sais pas moi, un terrain de foot d'eau, en tout cas, on est là, on a cherché partout, on ne l'a pas vu. Ça fait déjà maintenant 5 heures qu'on le cherche, il est ressorti de nulle part. On voit les bords, il est ressorti de nulle part. On réussit à bien gérer la situation, et ça fait maintenant 5 heures qu'on le cherche dans l'eau. Imaginez une eau qui est un peu noire, on ne réussit pas tout à faire de la... D'accord, c'est fréquent, quoi. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il est mort? Il a coulé? Il n'a pas coulé? Pourquoi il flotte pas? On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on fait? L'avis de la Mishnah, il vient et me dit, écoute, qu'il s'agit d'une eau qui est délimitée, ou d'une eau qui n'est pas délimitée. Dans tous les cas de figure, sa femme reste interdite. En réalité, parce qu'il y a dans la Gemara, ça rapporte par rapport dans la Mishnah ici, ça rapporte dans la Gemara qu'il y a un avis qui pense que si, toutefois, c'était une eau qui était délimitée, et tu as vu que tu as passé un certain temps, je ne sais pas combien, 3 jours ou quelques heures, c'est pas clair, c'est pas assez précisé ici. En tout cas, donc tu as passé une longue période de temps, on l'a vu ressortir de nulle part, bah forcément il est resté dans l'eau, quoi. Et donc il a fini par mourir. Il y a dans le Tosfot Shem Tov, dans le Tiferet Yisrael, il rapporte un cas, c'est plus rapporté dans les poskim, c'était fréquent dans les, j'imaginais, dans les terres en Europe, il faisait très froid, il y avait le lac qui gelait, et là-bas il y avait des fois des trous dans l'eau. Il part, il rapporte là-bas un cas où quelqu'un qui est tombé dans l'eau, on l'a cherché, il n'est pas remonté, il est passé en dessous maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Sur ça, on rapporte une limite de 3 heures, si on sait que on ne peut pas nager nulle part pour sortir après 2-3 heures d'ici, c'est sûr qu'après 3 heures, c'est sûr qu'il est mort. Il me manque 3 heures, par exemple, ben non, on ne veut pas croire. On ne va pas supposer qu'il est peut-être mort, peut-être qu'il a... Imaginez que finalement, il a réussi à sortir de l'autre côté, quelqu'un l'a trouvé, il l'a pris, il est parti en train de le chauffer, on le retrouve beaucoup plus tard, on ne peut pas savoir, on ne peut pas déclarer qu'il est mort, donc on ne peut pas permettre sa femme. Ok? Ça, c'est en tout cas, c'est le premier avis de ne faire aucune différence entre Maïm Shen Shelem Sof ou Maïm Shen Shelem Sof, de l'eau qui est délimité ou qui n'est pas délimité. Et sur ça, il y a Rabbi Meir qui cautionne ça, qui vient, Amar Rabbi Meir, et Rabbi Meir vient, il vient tester ça, il dit, regarde, Maaseh Be'echad Shenafal Lebor HaGadol, il y avait une histoire avec quelqu'un qui était tombé dans un puits gigantesque. Imagine, c'était une grande réserve d'eau qu'il devait avoir. Ve'ala Le'achar Shlosha Yamim, pendant 3 jours on l'a cherché, et après 3 jours il est ressorti de l'eau. Allez savoir, il s'est retrouvé là-bas en dessous, peut-être qu'il avait un endroit pour avoir de l'oxygène, et pour dormir aussi, parce que 3 jours sans dormir, on finit par mourir. Et dans la halakha, c'est reconnu comme ça, on peut rester 3 jours sans dormir. Mais peut-être qu'il a réussi à avoir un petit moment où il a réussi à s'assoupir,
et avoir son oxygène en dessous, et finalement il a sorti après 3 jours. Il rapporte une preuve que tu vois bien que quelqu'un qui tombe dans l'eau, ça peut durer même 3 jours, et il va remonter, donc tu ne peux pas déclarer qu'il est mort. Mais sur ça, on a Rabbi Yossi qui vient contrer tout ça, et qui va me dire, ah, Rabbi Yossi, non. Rabbi Yossi fait une différence. Il y avait un aveugle qui était descendu se tremper Bamehara, dans une grotte. Parti se tremper là-bas, un mikvé où il y avait... Il y avait Yaran Moshroacharav, et il y avait celui qui l'accompagnait aussi, il est descendu aussi après lui, pour vérifier que tout allait bien se passer. Ils sont rentrés dans la grotte, dans l'eau. On n'a plus rien entendu. Veshaou Kedesh Tetsen Hasham, Nafsham. Après, du coup, quand on a remarqué qu'il ne remontait pas, on est parti, on est là-bas, attends mec mal, on a commencé à les chercher et à attendre et attendre, et attendre, attendre, jusqu'à qu'ils ont laissé Hatche Tetsen Hasham, jusqu'à que suffisamment pour mourir. Il rapporte ici 3 heures, le Tiferet Israël, d'accord. Et ils ont attendu pendant 3 heures, et quand on a vu qu'ils ne sont pas remontés, eh bien, ici, on a permis les femmes des deux, de l'aveugle, et la femme de l'autre aussi, de celui qui a accompagné, qui est aussi tombé. Ils ont tous les deux, en deux mots, ils sont tombés dans l'eau, on a passé pendant 3 heures, ils ne sont pas remontés, ben, on déclare qu'ils sont morts. Parce que là, cette fois-ci, c'est Maïm Shalem Sof. C'est de l'eau qui était délimitée. Donc ils n'ont pas pu partir ailleurs. Ils sont rentrés ici. Ils auraient dû ressortir. On ne va pas croire. Donc ils sont en Arlokan sur Rabbi Meir. C'est vrai que Rabbi Meir nous raconte une histoire qu'il y a quelqu'un qui était remonté après 3 jours. Mais là-bas, il y a eu un miracle. On ne se fonde pas sur un miracle. Nous, on va selon. Là, rationnellement parlant, après 3 heures, c'est sûr qu'il a coulé. Le chouv massé, par contre, ça c'est quand c'est de l'eau qui est délimitée, parce qu'on a vu qu'il est ressorti de nulle part ailleurs. Par contre, il y a une histoire au contraire, parce que c'était justement de l'eau qui n'était pas délimitée. D'accord, en haute mer par exemple. Le chouv maasé ben Asia. Il y a une histoire avec qui s'était passé en Asia. Je ne sais pas si en Asie ou en Asia. Je ne sais pas ce que c'est. Be'echad avec une personne. Shishil shelou la yam. Il y avait là-bas des pirates ou je ne sais pas qui. Ils l'ont enchaîné pour le faire rentrer dans la mer. On l'a attrapé par le pied et on l'a descendu dans l'eau. Maintenant, après un bout de temps, pendant qu'ils étaient bien en train de rigoler et de se moquer de ça. Finalement, on a retiré la corde, et qu'est-ce qu'on voit accrocher à la corde? Son pied. Après. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Amrou Chachamim, ils ont dit comme ça, Chachamim. Minar Kuva Olmala Tinase. Si toutefois le pied qu'on a remonté, c'est le pied avec, en plus de ça, le genou est au-dessus. Si on traduit Arkuva, c'est le genou. D'accord? Je crois qu'il y a une marque lequel sur ça. En tout cas, il y a Minar Kuva Olmala, si c'est du genou et au-dessus. Eh bien, Tinasé, on pourra permettre à sa femme de se marier. Par contre, si le pied qu'on a remonté, c'était Minarkova, je ne sais pas si c'est le genou ou la cheville, je crois que c'est l'Arkova, c'est le genou spécialement. Mais par contre, si ce qu'on rapporte, c'est la partie inférieure du genou ou de la cheville, eh bien, on ne pourra pas permettre à la femme. C'est-à-dire, j'explique un petit peu l'histoire. On a remonté un pied, ils l'ont attaché, ils l'ont enchaîné, ils l'ont descendu. Là-bas, les pirates, ils étaient tout contents de leur truc. Nous, on avait les juifs qui étaient à côté, ils étaient en train de pleurer sur le sort de ce pauvre juif. Après coup, ils ont retiré, ils ont monté la corde, il restait que le pied. Donc le corps il est resté dans l'eau. Maintenant les autres, ils ont regardé, on n'a pas vu du tout ce qui s'est passé avec le reste du corps. On a juste vu ce pied remonter. Alors maintenant la question elle est de savoir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr que quoi, son pied, on ne sait pas pourquoi il s'est coupé, peut-être que lui il a coupé son pied, on n'en sait rien, qu'est-ce qui s'est passé. Mais une chose de sûre, c'est que maintenant son pied il a été détaché du reste du corps, donc il y a un corps qui est en train de nager quelque part peut-être. Alors sur ça, la Mishnah me dit, écoute, si maintenant tu as remonté une partie conséquente du pied, qui va rendre quelqu'un de taref, on va aller étudier les lechot très phares, et là-bas on va voir que si jamais un pied d'un animal a été coupé à une certaine hauteur, c'est sûr que l'animal est mort. Et il est pas viable, au bout de 12 mois il va mourir, maximum, parce qu'il est devenu taref. Donc selon ce principe maintenant, s'il a laissé son pied avec l'eau, c'est sûr qu'il en est mort. Par contre, si toutefois c'était que la partie inférieure, imaginez que lorsque la plante du lion l'a remonté le pied, donc peut-être que réellement il s'est coupé là-bas la cheville, et il réussit à nager avec le reste, avec les mains. Alors maintenant vous allez me dire, ouais, mais on est en haute mer, justement, c'est ce que la machine vient de dire, en haute mer, peut-être qu'il a réussi à nager sous l'eau pendant une grosse distance, et à sortir, et sans qu'on le voie ressortir. D'accord? Et donc ça fait l'avis de Rabbi aussi, justement, qui fait une différence entre une Maïm Sheh Shlemsof ou Maïm Sheh Shlemsof. De l'eau qui est délimitée, alors là, il peut partir nulle part ailleurs. On a passé 3 heures, on a vu qu'il est parti nulle part ailleurs. Même si on ne l'a pas trouvé, on le porte. On le définit comme, on le déclare comme mort. Tandis que si toutefois, c'est une eau qui n'est pas délimitée,
qu'il a réussi à nager, à nager, à nager, puis nous on a perdu de vue, et là, il a réussi à s'enfuir et à sortir de l'autre côté du littoral. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha comme tout, salam.